Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais, disons, plutôt moyen. En fait, c'est juste en cause que, bon. Comme vous le savez, je suis un fan de Super Smash Bros. Ok? Et que des fois, je joue à d'autres jeux pour vous faire visiter le jeu. Pour que tu vois le contenu de chaque rubrique que je joue pour vous donner une idée à quoi ressemble le jeu. Si ça vous intéresse, vous pourrez le mettre dans votre liste de jeux. Je connais quand même pas mal de jeux, mais moi il y a des jeux que je n'aime pas jouer parce que moi je suis pas quelqu'un de violent. Fait que genre tous les jeux comme exemple Assassin's Creed, Halo ou encore tous les jeux qui sont sur la guerre ou le Moyen Âge, j'aime pas vraiment ça parce que genre toute l'histoire qui se trouve dans le Moyen Âge et tout ça, moi c'est barbare quand même, là, comment ça se passait dans ce temps-là. Et moi, j'aime pas vraiment ça, jouer à ce genre de jeu-là, même si ça a l'air vraiment intéressant, là, quand même. Mais moi, vous dire, je suis pas quelqu'un de violent, c'est pour ça que j'aime pas ça jouer à des jeux comme James Bond, mettons. Qui est considéré comme 13 ans et plus, mais ça devrait être pour adultes. Vu qu'il y a du sang, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime ça jouer aux jeux de course. Je suis un fan de jeux de course, oui. Je joue surtout en Mario Kart. Je suis très bon parce que je suis capable de d'atteindre le pointage maximum. À Mario Kart, ça prend effectivement long parce que genre je suis à 64 000 PC là, et quelques points de plus là, quelques centaines de points. Puis il faut pratiquement qu'il y ait des gens qui soient à peu près au même pointage que moi ou plus haut pour que je puisse augmenter d'au moins 5 à 12 points par victoire si je suis en première place, deuxième ou troisième, mettons. Ceux-là qui sont à 10 000, ben moi, ceux-là qui sont en bas de moi, ben je peux avoir peut-être à peine 2 ou 3 points juste pour la première place. Puis 0 pour la troisième, quatrième, donc c'est pas avantageux pour moi, là. Moi, je vais essayer d'atteindre le niveau maximum parce que ça fait longtemps que ça traîne, là. Parce que moi, j'aime ça finir un jeu à 100%, même en ligne. J'ai réussi pour Mario Kart Wii, là. C'est surtout en bataille, c'était vraiment complexe. Très complexe parce que la plupart du monde, ok, ils utilisent comme astuce les murs pour lancer les coquilles. Comme, les coquilles vertes, les coquilles rouges, là. Puis moi, ce qui me déçoit beaucoup des joueurs, c'est qu'ils shootent genre un triple carapace, ou vous pouvez appeler ça triple coquille. Nous autres, on appelle ça des coquilles en termes québécois, là, des coquilles vertes ou rouges. Ok, genre les trois en même temps. Mais pour les triple coquilles rouges, là, moi je vous conseille de les lancer un à la fois, mais dans un intervalle d'environ 2-3 secondes, pas genre tout en même temps, parce que il y a très peu de chances que tu vises trois joueurs en même temps. Puis genre, si les trois coquilles rouges éclatent en même temps, ben le joueur en avant, ben lui, il est safe. Même si c'est juste un ou deux items. T'sais, moi, je trouve pas ça stratégique en tant que tel. Moi, je trouve pas ça très, très stratégique. Mais pour les autres, ça l'est. Mais sérieux, Seigneur, je comprends pas pourquoi que vous acharnez autant. Votre acharnement, c'est genre shooter tout en même temps. Mais en shootant tout en même temps, vous avez plus de chances de rater la cible que de l'atteindre. Vous pourriez mieux vous en viser une cible que tout en viser trois en même temps. Donc pensez-y comme il faut, là. Et moi, ça m'est déjà arrivé, genre, partir en équipe en pièces sur Mario Kart 3, ok? Un joueur qui était peut-être au-dessus de 8000 de fait à peu près dans ces entours-là avec moi. Ok, il y avait tout coquille verte. Ok. Puis là, à un moment donné, il s'est arrêté devant moi, puis il a lancé toutes ses coquilles vertes à côté de moi, juste pour me shooter sa bombe dessus.
quand j'avais 15 pièces. Quel beau gaspillage, mon cher monsieur. Quel gaspillage, dit-elle. Il suffirait que quelqu'un d'autre te shoot avec une coquille rouge, puis ben là, tu viens de perdre de la moitié de tes pièces. Avouez que ça, des fois, les gens, ça manque d'idées, hein, pour jouer d'une manière intelligente. Non, mais réfléchissez avant d'agir. C'est ce que j'essaie tant de faire quand je joue à Super Smash Bros. Par exemple, à Super Smash Bros. Mais c'est pas évident parce que tout le monde a peur de tout le monde. Fait que personne n'ose s'avancer. Même si je suis pas en avance ou bien l'autre qui est en avance, il va toujours aller sur le rebord à chaque fois qu'ils vont se faire éjecter juste une petite shot. Mais jamais contre-attaquer, jamais. Il préfère mieux éviter dans les airs où il sait quelque chose. Mais sauf que ce qui me surprend le plus, c'est que, genre, il y a des gens qui ont des attaques aériennes lorsqu'un autre joueur essaie de revenir sur le rebord. Ça me surprend parce qu'il y a juste moi qui le fais dans Super Smash Bros. Nintendo DS, mais quand que les gens essaient de faire des effets météo, des attaques sur le côté, Seigneur, ça me surprend. Tu sais, parce que moi je m'attends pas à ça, parce que autour de l'IS, il préfère rester sur le rebord puis attendre que t'arrives. Peut-être c'est encore la quantité de glitch qu'il y a dans le jeu en ligne qui fait en sorte que ça fait ça pour le jeu, t'sais. Puis que là, tu peux pas contrer un combo parce que genre, mais on dit que ça marche pas, ça bloque. Puis en plus, c'est plus difficile de faire un contact en même temps sur deux attaques qui vont toucher la cible, vont chacun toucher leur cible. C'est assez compliqué, ouais. C'est pas pareil comme dans Super Smash Bros. Nintendo DS. On dit qu'il y a plus de choses à apprendre là-dessus, c'est sûr. Puis moi, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que. À part Sam qui me suit, ou peut-être quatre autres personnes dans ma chaîne, peut-être, qui écoutent une fois de temps en temps mes parties sur Super Smash Bros. For Wii U. Mais ça me déçoit beaucoup parce que j'aimerais ça me débarquer par rapport aux autres, mais personne ne veut me regarder. Parce que les gens s'attendent, ok, à ce que ta vidéo soit de qualité. Mais. Écoutez là, si ça vous dérange tant que ça, allez-vous-en puis allez ailleurs. Ok, arrêtez de me manquer des commentaires genre pour blesser le monde là, Seigneur là. Vous avez l'air de quoi après? Moi ça me déçoit beaucoup genre parce que, regarde, tu sais. Si on compare avec les vidéos que je fais sur Pokémon Shuffle, ok, au bout de 5 minutes, j'ai une ou deux vues. À chaque fois que j'en mets une, c'est tout le temps une ou deux vues durant les 5 premières minutes lorsque j'ai posté la vidéo. Lorsque elle a été publiée. Après la publication de ma vidéo, c'est ça. J'ai au moins une vue ou deux dans les 5 prochaines minutes. Tandis que pour Super Smash Bros, c'est zéro. S'il y en a seulement un qui m'écoute, c'est seulement que Sam. Puis moi, mon objectif à moi, ok, c'est pour Super Smash Bros. For Wii U, ok, c'est d'intéresser le monde qui sont supérieurs à moi puis qui m'aident un peu à me donner des astuces pour que je puisse mieux jouer. D'offrir une meilleure variété à mes adversaires, j'aimerais avoir plus de fun à jouer, mais j'ai pas plus de fun parce que les joueurs n'osent pas contre moi, ils me trouvent trop dangereux. Fait que eux autres, la meilleure façon qu'ils trouvent à faire pour me vaincre, c'est de m'attendre avec leur bouclier et faire le saisir. Peu importe les déplacements que je fais, ils vont toujours me saisir. C'est comme tous les joueurs de l'Icaro que j'ai pu rencontrer en grande quantité.
Depuis que je joue, depuis que je fais mes camps 1 contre 1. Bon, j'avais dit que je vais que on y va pour la contre la montre. Ça coule, maman. On vient de vérifier. Ah, tiens. Les roues étranges que je viens de débloquer. Ben, je vous ai fermé la housse. Hein? On peut le fermer, je pense, la housse. Je le sais pas. Comment ça, papa? Ah, maman, je suis en vidéo, s'il te plaît, t'as pas remarqué? Merci. Je vais le demander tantôt, ok? Tiens, je vais prendre mon prochain favori avec ce bolide-là. Ça veut pas dire que c'est la meilleure option là, pour faire le meilleur temps. Mais ici, ok, je joue pour. Ici, je joue pour vous montrer le contenu du jeu. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est le contenu. Parce que, regarde, moi, j'ai pas les moyens financiers pour faire une grosse qualité de vidéo. Pour ça que je le mets pas en HD. Parce que ça va dire. Je pourrais juste jouer ce que à peine 5 minutes. Comme revenez-moi là-dessus. J'aimerais ça que les gens soient plus sensibles à ça. Mais, comme on peut dire, on dit que les. Que les espèces sont pas capables de comprendre ça. Peu importe dans quel milieu, que ce soit dans le milieu Pokémon, dans le milieu Mario Kart, dans le milieu Super Smash Bros, ils vont tous me dire la même chose. Je me demande s'ils font ça pour m'aider ou bien pour me rabaisser. Moi, je pense que c'est pour me rabaisser qu'autre chose. Puis, je sais pas si c'est à cause de mon expression ou de la manière que je parle, mais je suis fait comme ça, moi. Faudrait que vous essayiez de vivre avec ça. Peut-être que ça va vous arriver un jour qu'à un moment donné, vous allez avoir un enfant qui va avoir un handicap. Faudrait que vous essayiez de gérer ça, vous autres aussi, là, puis à aimer votre enfant comme qu'il est. Si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, c'est parce que vous ne serez pas capable d'accepter d'autres gens qui sont comme moi, là. J'ai l'impression que je suis pas respecté, tu sais. Puis que peu de monde qui m'écoute pour quelqu'un qui est fan de Super Smash Bros qui aimerait ça être dans le jeu. Course solo, défi un fantôme. On va aller défier un petit fantôme. Je pense que tu débloques un objet de personnalisation pour ton bolide lorsque tu bats les fantômes. Je pense que c'est les roues en or, je suis pas sûr de ça.
On va te donner des raisons pour envoyer le fantôme. Non, je peux pas vu que Miiverse n'est pas disponible. Changer de circuit. Bon, allons voir l'autre circuit maintenant. Avec l'autre fantôme. Vous comprenez moi que ça me rend quand même triste, genre que pratiquement personne qui m'écoute pour Super Smash Bros. C'est parce qu'en cause qu'ils connaissent pas ça ou qu'ils ont pas d'expérience. C'est plate à dire parce que moi, quelqu'un qui joue quand même à beaucoup de jeux variés, c'est dommage que les gens veulent pas s'ouvrir à d'autres jeux. Il y a récemment une vidéo qui a passé de zéro, mais j'ai pas été écouté. Okay, il a joué à Mario Odyssey, j'ai pas regardé, mais je sais qu'il a joué à ce jeu-là. Mais sûrement de manière occasionnelle qu'il joue à d'autres jeux que la série Smash Bros. Parce qu'en général, sur sa chaîne YouTube, c'est Super Smash Bros. Ou For You. Ben, je pense que c'est Smash Bros. Entre autres. Qui joue là en général pour les tournois, tout ça. Moi, ça serait un honneur de pouvoir l'affronter en duel, mais. J'aimerais ça que ça arrive. Je demande juste ça. Justement, est-ce que vous voulez pas me faire plaisir? Je pense que les gens ils comprennent pourquoi pas ce que je vis. Fait qu'ils peuvent pas comprendre pourquoi que je fais des vidéos comme ça. C'est pour mon plaisir tout ça là. Je suis un fan de jeux vidéo, mais personne ne veut le comprendre. Je connais pas de raccourcis là, je sais pas moi là. Moi je suis pas là pour les raccourcis. Juste pour qu'on regarde le contenu du jeu. Bon, allons au suivant. Thank you.
Moi, j'ai de la misère à prendre ce raccourci-là. Je n'ai jamais réussi à le faire correctement. Parle de trou de bain, là. Là, ça marche vraiment pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre la prochaine fois, de toute façon. C'est trop important. Bon, mais on va se rejoindre pour la courbe fleur dans une prochaine vidéo.